Bel bonjour, bel bonsoir, tout le monde qui est à côté de nous, tout le monde qui a regardé nous en les KMT. Alors, c'est la première émission pour l'année 2024, jeudi 10 janvier. On va dire un bel, très belle, très belle, très belle année bah, tout le monde. On va dire les petits bonsoirs et après nous qui virer en les questions bonne année et toutes les délicatesses qu'il y a dans tout ça. Bonsoir, Miss Josiane. Alors, bonsoir pour nous toutes là, hein? Bonsoir. Déjà pour nous trois là. Bonsoir pour toutes ces personnes qui permettent pour nous de faire l'émission. Hein? Donc, tous les journalistes, tout le monde. Et puis, l'ami Césaire. Jean-Michel, Jean-Michel, Jean-Michel Jean Césaire. Ouais. Jean-Michel Césaire, le réalisateur. technicien, Réalisateur. qui toujours souriant, toujours disponible pour nous accueillir. Même lorsqu'on est en retard. Même lorsqu'on est en retard. Bonsoir Claude, qui rigole particulièrement. Il se sent peut-être bizarre de parler de Rita, Claude Carré. Bonsoir Non, Claude, ça vous fait non. Bonsoir, mais pas bizarre, mais pas sentiment bizarre particulièrement. En tout cas, un bel bonsoir. Bah, toutes ces mamans-là qui ont encouragé nous, bon, ben, bah, ces collègues-là, bah, les voisins, bah, les amis, la famille, tout partout. On arrive à puis l'autre du Cosse-Lamantin, Saint-Anne, tout partout. Toute commune, Monver aussi, hein, pas oublier Monver. Donc, un bel bonsoir à tout le monde, et puis une belle année, une bonne année pour nous, qui nous avancer dans l'État, puisque nous avons, comme chaque année, ni des défis que nous avons à faire face, et puis des défis qui sont venus, okay, là, et puis des défis qui sont passés, et puis nous avons avancé, et puis société nous, hein, et puis pays nous, hein, et puis jeunesse nous, hein, et puis l'école nous, hein, puisque nous avons en pile dans les affaires, l'éducation, là, nous ici, à Odia, et puisque il y a un gros changement. Parce que le ministre de l'Éducation était là, il prend un galon. Donc nous croyons que ça, l'autre là, qui a réservé, ben nous, nous croyons qu'il m'en est bien là, qui est venu. Déjà ça, qui l'autre là. Alors, bonsoir encore. Alors, nous qui entamons les questions, nous disons nous avons souhaité bonne année. Alors, tout le bagage qui a prêté à discussion. De toute façon, il y a des gens qui ont dit, ils parlent tant de parler des affaires de bonne année, etc. Mais enfin, toutes les occasions bonnes pour marquer le coup et puis. Dit des bons petits bagailles, hein? Parce que lorsqu'on dit une bonne année, ben, comme ça, en principe, si on souhaite santé, bonheur, la joie, l'argent, quelque chose, on dit ça et puis le sourire, on dit ça et puis fonciao. Donc c'est un bon petit moment qu'on peut partager et puis un monde. Mais ça tout à fait compréhensible, s'il y a des gens qui ont dit ça n'a pas de sens, etc., etc. Donc, nous pouvons entrer dans ces débats-là, nous dit quand même, nous souhaiter bonne année à ben, tout le monde. Alors, peut-être. Mais c'est Laouche qui est responsable KMT, qui a eu l'occasion d'exprimer que nous, dans le cadre de l'émission LUPEM, une émission que nous avons réalisée sans payer, n'est-ce pas? Oui, nous totalement bénévoles. Nous bénévoles, complètement, tout à fait bénévoles. Nous avons fait parce que nous avons senti la nécessité de porter, Tigrensel nous, de Bassanoupé, sans prétention aucune, en toute sincérité. Sans que nous prenions pour ailleurs, parce que nous aussi, nous faisons des l'éré éducation hein, contre tout le monde. Mais c'est le bagage, nous avons essayé, regarder si nous pouvons éviter que ça nous a fait comme l'éré, d'autres y fait. Donc, en toute modestie, nous avons apporté nous. Donc, bonne année KMT et puis direction et puis tout personnel. Bonne année, effectivement, en particulier bah, Jean-Michel Césaire, le technicien, le réalisateur des émissions. Quelqu'un. Il est toujours souriant, affable, non, il est formidable, Jean-Michel. Ça méritait noter. Souligné. C'est remarquable, c'est remarquable. Et puis, bon, voilà, ouais, moi, ouais. Moi, en général, je dis qu'on tout le monde à présent, hein, ben là, je dis santé, 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 santé. Et puis, alors, il y a une idée, puisque de toute façon, si on parle de santé, les restants, ça n'a pas grand sens, ça n'a pas grand chose. C'est vrai que l'argent souligne la santé. L'argent peut venir. L'argent peut venir, mais ça a aidé aussi, parce que l'opinion de l'argent, c'est quand même un souci qui a péni des conséquences. La santé peut échapper. Voilà. Donc, bonne année tout le monde, la famille, les gens que nous avons rencontrés, les gens que nous avons joués tout partout, qui ont encouragé nous. Bon, on est tout le monde dans l'entour de la terre. Il n'y a pas de bagage à souhaiter, il n'y a pas de bagage pour nous faire, il n'y a pas d'engagement que nous n'y apprenons, parce que si nous, chaque lapin, essayons de garder ça nous a fait, ben, ça n'a pas qu'à une licence. Donc,
ensemble nous peut faire le bagaille, mais si nous voulons changer les bagailles, il faut que nous-mêmes nous apprenons à changer les brin nous-mêmes, et puis ça a des conséquences sur le collectif. Alors, moi, Josiane, moi ça, Josiane, il y a un long chahier bagaille pour dire. Non, pas trop. Pas trop, hein. Parce qu'il faut que laisser, il faut que laisser pour les autres jours. Hein. Parce que si on dit tout le bagage là. Déjà pour aujourd'hui, hein. Si on dit trop de bagage aujourd'hui, hein. Je vais pas retailler pour dire demain après demain, et puis je vais pas les autres jours. Je vais ajouter à tout ça, nous dit, et je vais tiens à dire ça, beaucoup d'amour. Mm-hmm. Parce que mon coin, moi crois, c'est moi qui crois, mais pas ça aussi ça vrai ça me cas. Qu'à vivre là, nous oublier l'amour dans la vie. Peut-être que nous 2023 passé, c'est fini. Mais qu'à penser que si nous gardons tradition nous nettoyer tout partout pour qu'aille nous mettez tout bagaille neuf. Nous tirer la poussière tout partout et me cap penser que chez nous neuf aussi nous penser des poussières on dit donc nous pour nous faire lumière apparaître et puis depuis ni lumière peut-être et, pas peut-être l'amour qui est là alors me cap dit rebrancher l'amour parce que me pas seul ça. Alors, moi, j'ai une petite question, un petit exemple pour parler de l'amour. Mm-hmm. Moi, tiens, moi, quand... Alors, si c'est ça, que tu as pour les corps, je n'ai pas mis ça pour dire. Parce que si on regarde les corps, je ne peux pas ici à pièce. Parce que pour les moustiques qui ont mangé, moi, dans ces abris-là, et puis tellement là, qui a pleuré, moi, en bas soleil, là, pour attendre, si encore, qui a pointé, ça, c'est difficile. Mais enfin, je suis revenu aux choses sérieuses et je suis parlé de ces jeunes-là. Les jeunes, je suis dit que c'est un petit bagage bien simple. Le permis, le code de la route, ce n'est pas pour jouer permis. Le code de la route, c'est pour appliquer, pour respecter la route-là. Mais respecter la route-là veut dire respecter quand nous. Et respecter quand nous veut dire respecter l'autre-là qui est la route-là. Parce que la route là pas à nous. La route là c'est à toutes ces monde qui ca rouler on la route là. Et puis si yo institué un code, c'est parce que yo estimé que ça était très important. Mais quand un dernier un petit exemple. Bon matin, mon et à dans un abribus, moi qu'attendre ca. Moi bokay moi, c'est mon qui a sorti et puis yo ca prend la route là, considérer yo ca yo. Parce que même le caillou, ou pas rouler, ou pas marcher, et pour voir ces chaises-là, les tables-là, ou pas faire attention quand même, hein? Hein? Même sur le caillou. Donc, quand on est sorti, et puis on prend la route là. Donc, il y a un monde, en chaîne, il trouvait que ça a embêté tout le monde, que il prend priorité. Alors, comme l'autre là prend priorité, donc il passe, il trouve l'autre là passe devant lui. Donc lui il dit mon priorité monter pour devant. Donc il était derrière. Ma deux routes là parce que ou pas jamais ça vient dans la vie. Il pousse, il persécutait le chauffeur là, le toit qui était devant lui. Là il veut en plein virage. Il estimait que là mon cas doublé à dans virage là. Il a doublé. Parce que il faut que lui devant l'autre là, il ne faut pas aider. Quand même. La route là, ce n'est pas un jeu de ping-pong, de ma pas ça vous autres. Parce que même là, nous qu'a joué au ballon n'importe, ni des règles. Hein. Alors, les jeunes, assez fait de l'eau couler aussi nous, les grands-parents, les parents, tout ça. Hein. Respectez-nous quand même, hein, qui est émotionnel. Respectez l'émotion de nous. Donc, je souhaite pour la nouvelle année 2024 déjà que je respecte la route là. Il doublait à d'un virage là. Il fâchait parce qu'il est pour devant. Et l'autre là, pas pour trouver qu'il est devant. C'est ça mon télé dit. Voilà. Déjà, au niveau des jeunes chauffeurs. Voilà. Alors, non, pas qu'à fois, je ne parle pas les fois que c'est vrai, parce que, ou qu'à dire les jeunes, naturellement,
une idée quand mon qui a fait type n'importe qui ça bon ça c'est un exemple que oui comment point je dis hein, oui grand mon qui a fait aussi et puis nous a dit les jeunes mais en fait une idée jeune nous a compris en fait pas... certains chauffeurs effectivement bon nous a dans la via il y a des gens qui a fait type n'importe qui ça hein et parfois sous l'emprise de cette époule de cette époule c'est pour ça là on est la route là on pas conduit bas comme on pas conduit bas les autres pas mais ça ça qui est en tête l'autre là donc faut qu'anticiper parfois et puis quitter bagaille là aller hein parfois avant là on te ca rouler attend longtemps quoi faire mon enfance quoi faire ainsi mais là passer maman si vous faire mon enfance passer là il a passé pour effectivement qui arrêter qui amando qui si nous fait là donc ça ca venir qui prend dangereux donc justement les questions sont là faut que nous qui faire attention. Mais à un moment donné, je dit que nous t'ai arrêté les questions de l'amour. Parce que nous avons dit l'amour, d'amour, oui. L'amour, c'est qui ça? Mais peut-être ça un manque d'amour, hein? Ben nous avons venir les affaires voilà. De l'amour, ça y est. Parce que une idée, maman, il y a une idée de jeune aussi, hein, Adam, parce que nous avons parlé de l'amour, il peut confondre l'amour et puis la question du sexe, hein? Parce que ça, c'est des bagailles aussi, que faut que nous apprenions, Adam, l'amour, sentiment, l'amour. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'amour, c'est pas simplement madame et puis monsieur. C'est aussi les parents, les parents, les mamans, etc. Et ces sentiments que ou bien et puis mon que on doit respecter, que on savent il y valait et c'est faut que nous petit brin insister en les ça y est l'amour parce que les bagages qui viennent éducation qui viennent tellement difficile, mon tellement occupé qui papa qui maman qui tellement occupé qu'il y a des bagages y a pas qu'à des bagages qui semblent évident. Mais pour cette maman-là, ça pas si évident, ça pas si évident que ça. Des valets que nous nions, ça pas si évident la question de l'honneur. Dans ce moment, elle dit, mais madame, qu'est-ce que ça veut dire, l'honneur, puisque nous avons des petits. Les parents, nous, c'est qu'elle nous pas fait, pas mettre des honneurs, les familles, les non-familles. Et pas mettre de l'ongène. Pas mettre. Ni des notions que, bon, faut que peut-être nous revenir en laissant que nous appliquer, et puis des notions encore. Et puis des notions aussi que nous bannissons, qu'il faut que nous bannissons. Avant m'oublier, effectivement, il y a un groupe de, les parents d'élèves, hein, qu'est-ce que tu aussi, parce que les parents d'élèves là, les parents d'élèves, on est dès l'année, hein, on est dans l'école là, qui a commencé en octobre, et on est dans l'année de la vie tous les jours, qui a commencé en janvier. Donc, l'année de l'école là, ça a commencé, en tout cas, on espère que l'année de la vie a continué bien autant, aussi bien qu'il y a l'école là, que les difficultés que nous avons dans cette école là, que les parents ni, que les élèves ni, que tout, que les enseignants aussi pénis, que tout ça atténué, tout ça. Nous trouvons un petit bon ressources, un petit bon apaisement, parce que les temps avant, en vacances, ça a été un des événements qui fait quand même. Nous ne pouvons pas les disapiter. En tout cas, pour tout ça aussi, et pour ces mamans-là, toutes les équipes éducatives, nous avons souhaité, au nom de l'UPEM, là encore, c'est plutôt personnel, mais en tout cas, au nom de l'UPEM, nous avons souhaité une bonne année, que ce soit à l'école, et puis aussi pour réussite pour eux, pour le travail, pour l'éducation de ces petits mamans-là, et puis aussi réussite dans la vie personnelle, parce que si la vie personnelle n'est pas. Voilà. Réussi, la ville professionnelle aussi peut en partir. Donc, il faudrait nous enlever les déchets. Et puis, pour dire, pour pondérer, mais pour un exemple aussi, qui les anciens aussi qui ont fait des débats, ils disent, pas performant, la route là, le piéton, la première fois, on était là, mais on a un chauffeur, c'est un professionnel, il y a un fourgon, il a téléphoné, il a fait du sport moi, tous les jours, il a téléphoné, et puis on téléphone, doublement parce que je n'ai pas quand même moi. Et en deuxième lendemain, il y a un autre téléphone. Ça veut dire que chaque lendemain, il y a un téléphone là-dedans. Et puis il a conduit l'autre. Première fois, il mettait l'autre là. Mais qui m'a dit qu'il a conduit? Ah, même pas ça. L'autre a été roulé. L'autre a été roulé. C'est l'autre qui lui permet. Il tenait un téléphone dans la main, il y a un Zoéli, puis un téléphone dans la main, il y a les volants. Alors, première fois, il mettait l'autre là. Il m'a dit, oui, il était dangereux. Donc, maman, il a quand même un nouveau lit. C'est l'auto moderne, on a suffisamment d'équipement. Même si l'auto n'a pas ni équipement, on a trouvé des équipements, on a pu connecter un bail en Bluetooth, on n'a pas obligé de chipper le téléphone dans la main pour parler déjà. C'est interdit. En plus, à faire quelque chose de dangereux, essayez de faire moins dangereux quand même, parce que quoi fait, ou là, si on a un accident là, on est un témoin, ou la jolle, c'est un accident grave, des téléphones dans la main. Première fois, je suis en train de souvent, je suis en train de alors, je suis en train de téléphone. À plate, pour que ça n'ait pas de bouche, mais c'est encore plus dangereux, parce que non seulement il faut écouter, il faut que. Non, il parcourt dans les oreilles de manière permanente, mais il y a un amour. Donc, il faut orienter face à où. Donc, il faut pas gêner la rue, il n'y a pas longtemps à conduire. Donc, ce moment-là, quand il y a des difficultés, pas possible. Alors que nous, des équipements modernes aujourd'hui,
Ben là, brancher téléphone dans l'autoroute, ça ça coûte nous. Ou bien brancher en équipement particulier, mettre en Bluetooth, mettre en plié dans l'autoroute. Parce que l'autoroute moderne, toutes ces autoroutes, ils sont naturellement. Attends, mais là, au cas où, c'est pas même question de. Non, oui. Des téléphones. De toute façon, il n'y a pas qui n'est pas calé. Oui, il n'y a pas qui n'est pas calé. Donc, l'autoroute est roulée, heureusement. Mais quoi passer de dans passage coûte dans Qatar là ou mort hein, parce que il pas ni suffisamment ressources intellectuelles ouais. Mentales là pour pouvoir gérer ces deux téléphones là et puis ou piéton ou quoi venir prendre un pied donc si pas ou ouais, si bonheur ou prendre ça donc ce moment là effectivement pour les jeunes mais c'est pas tant jeune hein. Non, mais là, j'ai rectifié. C'est n'importe qui chauffeur, quel que soit chauffeur. Voilà. Bon, moi, dit les jeunes, parce que. Et c'est un professionnel. En plus. Non, moi, dit les. Un fourgon. Où s'en fout, tu m'en dis les jeunes. Parce que, comme c'est numéro 11 qui a conduit Rachel depuis un moment. Donc, moi, toujours bon la rire là. Je vais regarder. Parce que si on parle de ça, ça veut dire que c'est numéro 11. Numéro 11 veut dire qu'on parle de l'auto, c'est des pieds. On zappe. C'est des pieds. C'est des pieds qui permettent de bouger. Alors, comme au numéro 11, donc je vais souvent mon bol arrière et puis je vais regarder les qui m'en est sa cafette. Alors, excusez-moi. Il m'a parlé des jeunes, mais oui. Il m'a parlé en pile jeune. Oui, là. Non, nous pas généraliser, mais tout le monde a dedans. Alors, ça qui a fait, pas fait, voilà, pas quitter Josiane ou les autres, en tout cas. La prochaine fois, Josiane, quand il y a tiens, il y a un monde qui m'a dit qu'il n'y a pas de parler de moi. Oui, qu'il y a pas de moi, qu'il y a dénoncé mon nom. Il faut que nous battons des limites, il y a des règles qui existent. Il y a des règles. Il y a des règles qui existent, donc il faut que nous respections, ça fait partie de la vie. À partir du moment où il y a des mounes ou en société, et donc, il faut qu'on respecte. Alors, je parlais de permis très bonnet. Oui, à 17 ans. Bientôt à 17 ans. C'est une responsabilité. Tonton tes amants de tonton. Je te connais, tonton. Tonton's amour. Tonton tes amants à 16 ans. Pas oublier. Tonton tes amants à 16 ans. Finalement, entre 16 et 18, mon cœur se balance. Je choisis 17. C'est en évolution. Bon, la majorité avant était à 21 ans. Hein. Non, mais la majorité, c'est 18 ans. 28 ans avant. Donc, à un moment, il a évolué. Ben, là, hein. Non, mais c'était c'est 18 ans. Donc, les choses ont évolué. On est en évolution. Question d'évolution. Il y a eu à 10 ans tout. Hein. J'adore, Claude. Depuis, il parle d'évolution. Moi, je mets des guillemets sur l'histoire d'évolution. Parce que nous, dans la société, là, il y a des bagailles qui évoluent. Et l'homme qui a peur de l'humanité, hein, il y a des oui, bagailles. Vrai. Je ne sais pas, l'on a passé tous les jours en arrière, on a des bagailles qui ont fait, des bagailles extraordinaires. On a dit, quoi, qui ça, nous en 2024. Non, mais société a évolué, globalement, c'est tout en. Qui avance, mais c'est avec tout en même temps. Hein. C'est le bon et le très mauvais. Le bon et le très mauvais, c'est l'autoroute mieux équipée, c'est l'autoroute des éléments de sécurité, on est quand même des conditions techniques aussi qui ont amélioré, qui ont. Qui a fait aussi. Donc, on est la conduite d'accompagner à 16 ans. Donc, on est des éléments quand même techniques qui a fait un accompagnement, qui a rendu des choses possibles qui partaient avant. Donc, mais pas qu'à dire ça forcément bien, je dis. Mais en tout cas, c'est l'évolution qui a aussi entraîné certains événements comme ça. Donc, c'est. T'as l'air l'autoroute qui tout seul. Hein. T'as l'air même plus gentil, mais boulot dans l'autoroute. Des côtés, l'autoroute intelligence artificielle, d'ailleurs, peut-être nous n'avons pas dit ça. Vous avez évoqué ça. Par exemple, c'est l'autoroute, bah, il s'en chauffait. Donc, l'autoroute pas bien chauffé, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est l'intelligence artificielle. Oui, oui, mais ça peut arriver, on ne sait pas, ça arrive peut-être, parce que quand même, ça a un effet technique, technologique qu'il a. Donc, ça qui n'a pas été possible techniquement, et qui a rendu des choses juridiquement aussi possibles. Donc, c'est une manière pour nous, c'est vrai que, mais ça je dis. Pas, mais le pendant de ça, c'est que nous avons constaté que c'est jamais nous, hein, des fois, pas ni même maturité, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une certaine agilité dans la société que nous ne pas tenir, jamais là, et puis c'est équipement moderne. Hein. En même temps, il y a un manque d'autonomie, un manque de projection, un manque d'ambition des fois. Là aussi, il faut nous travailler ça. Donc, c'est dans le système éducatif là aussi. Ouais. Et puis, les parents, pour nous travailler
complémentaire, là, c'est-à-dire qu'on a des possibilités techniques pour la technologie, mais parallèlement, la responsabilisation, il faudra aussi nous travailler. C'est ça, oui. C'est ça. Puisque là, tu es là, tu es petit, bon, on est responsable de nettoyer les chambres, responsable avant, oui. Aller marrer mouton, aller chercher de l'eau, ou responsable nettoyer la oui, c'est ça, ou, tenez, ou, oui. La notion de responsabilité était acquérie plus tôt. Très tôt. Ou, tout ça, pour, ou responsable. Ou même des fois, même trop tôt, des fois, parce que tu es en Haïti, tu es comme une chef de famille à 10-12 ans, voilà. les parents décédés. Bonnet, grand bonnet. Déjà, les responsabilités étaient là. Même avant 12 ans. Oui, donc, chef de famille, entre guillemets, mais toute responsabilité d'organisation, tu es carré mini à yo. Puisque tu es en l'autre moment, tu es en l'autre moment. Effectivement, et les tâches, tu es carré parti, c'est mon âge qui a tiré quoi d'affaires, plus ou moins, quoi. Mais les aînés, ça va. C'est qu'à sacrifier. Souvent, les aînés étaient qu'à sacrifier par rapport à la génération pour permettre la génération suivante. Là. Enfin, c'est à qui qu'il y avait les cadets, ni en part de réussite plus favorable ni dans la vie. Hein, quoi. Voilà. Donc, et une débat qui est très belle qu'il a fait parce que les petits, les cadets, étaient qu'à reconnaître ça, les aînés fait baillot, et qu'à retrouver après. Puis, il y a des aînés qui partaient récompensés par rapport à tout ça, le sacrifice qu'ils ont fait baillot. Tout ça qui fait partie de la vie, hein. Donc il faut que nous apprenions à réfléchir et puis oui, c'est important. Respecter ça, ça y est, fait bah, nous. Voilà. Tout ça qui fait partie de ça, c'est quoi l'amour. Hein, la gratitude. Des sentiments, des comportements, ouais, ça, c'est vrai, famille, qui a permis tout de. Au fait, mais oui. Au fait, Claude, ça m'a dit, c'est qu'il faut que Magala évolue. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas nous perdre les valeurs non plus. Il faut nous, ni des valeurs que nous pouvons garder. Même les choses qui ont évolué, mais ni des valeurs importantes. Ouais, ni des bases. Ni des bases. C'est considéré ça. Ouais. Si il n'y a pas une fondation, qui peut arrêter là? Il peut pas arrêter? Oui. Donc, ni des bases. Parler de. Parce que. Il faut que nous disions ça, mais il faut que nous disions aussi ça nous a proposé les parents. Parce qu'il faut que les parents aussi trouvent le temps pour regrouper Koyo, ou adhérer à, comme soit à. Une association, à l'UPM, ou à une autre association. Ça allait pour apprendre à vivre en autre manière, puisque là, ça a changé. Donc, pour nous adapter comme nous, il faut que nous apprenions à vivre en notre manière. Mais si nous étions là, quand ils nous assis là tranquillement, et puis nous disons, ah, c'est comme ça, moi, je suis là, papa, moi aussi, c'est moi, frère, moi, donc je suis là, même pas là. Non, non. Il faut que nous rencontrions d'autres monde, former comme nous. Je dis ça tous les jours, formation. Pour nous payer et suivre l'évolution hein, et aider nous évoluer, je ne vais pas dire correctement, mais le mieux possible, je préfère. Mm-hmm. Évoluer le mieux possible. D'accord. Donc, appel à l'engagement dans les associations, voilà. Ça a des avantages. Oui. Hein, parce que, ou quand vous payez un service, ou quand vous liez amitié et puis deux mondes, camaraderie et puis des mondes, ou quand vous apprenez des bagailles, là, vous avez besoin, ça peut être un peu d'intérêt, là, vous avez besoin d'un stage, par exemple, d'autres membres d'association, ils ne peuvent pas connaître. Ils peuvent cuisiner, ils plombent, etc. Ils peuvent pas échouer en stage. C'est-à-dire qu'il n'y a ni des avantages ensemble, c'est des connexions qui sont faites, c'est des réseaux qui sont faits, effectivement, qui fait qu'on peut apprendre à tirer corps d'affaires. L'individualisme, ça, c'est un bagaille que nous, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie, mais ça très ça mauvais en soi. Donc, il faut que nous apprenions à engager, mais c'est vrai, ce n'est pas si évident. Là. On est tout le bagaille pour faire, on sortit au travail, on est si moi, mais pour chipper, etc. Il faut que nous arrivions à organiser comme nous, mais l'important, c'est de comprendre le principe là. Le principe là, c'est que chaque monde n'y apporte pas taille. Voilà. Non, mais le cas coûte en échange, on a là-bas, tu as parlé de ça, justement. Une des difficultés des associations, c'est le temps. Le temps, pourquoi? Bon, c'est le temps parce que le délai de transport, les gens qui passent trop de temps en disant les transports, par exemple, l'on a perdu 3 heures quasiment de temps par jour dans les transports,
ou pas en arrêter temps pour trois états, on peut pas mettre à disposition d'association, c'est difficile, hein. Donc ça organisation là quand même faut une organisation sociale là, faut que nous ouais mais quoi si tenir on veut me rassurer pour les jeunes qui d'accord puis moi à faire c'est que les transports par exemple améliorer. Ah non, ça c'est en priorité. Ah c'est en priorité, moi dans la société pour ne peut pas subir un contrat pareil hein qui a freiné effectivement la société là. Que le transport, même pas même au-delà du transport, la mobilité sans problème. Même des fois, là, à pied, on ne peut pas passer. Même à pied, ou valide, hein, même à pied, valide, hein, voire à pied, on a des difficultés, on est en canne ou bien, ou en fauteuil, on est à pied, valide, on ne peut pas passer alors que on est pour passer là. Donc, la mobilité et le transport, c'est même quoi, c'est un axe principal, comme l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est l'axe numéro un. Mais la santé, pour moi, c'est la santé. Voilà. Pour moi, c'est la sécurité et la santé. La santé moi, oui. Dans un pays, tremblement de terre peut être à n'importe quel moment, il faut un minimum que nous préparions. Oui, il faut que nous souhaitions une bonne année aussi. C'est tout ce monde-là. C'est mon la santé. Mais normalement, nous, tout c'est pour être dans la santé. Si on va arriver là, comment capable de venir en secours tout de suite. En attendant que les professionnels arrivent. Ça, c'est oui, un minimum. Oui, oui. Est-ce qu'on y a un sifflet là? Pour si il y a un tremblement de terre, nous en fond en bas là, pourquoi nous en fond en là? Est-ce que tu as ton sifflet? Non, je ne l'ai pas là. Bon, regardez la nouille, nous en fond en là. Et nous a invité qui de droit pour bien expliquer nous que ces baguettes là, extrêmement oui, importantes. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça veut peut-être que nous avons relativisé des bails. Nous avons dit, mais non, ce n'est pas la peine. Ou bien si nous mettons tout ça bail à l'école, nous ne pouvons pas tirer qu'on nous a fait, et puis un minimum que nous n'avons pas qu'à faire. Il y a l'autre priorité, la sécurité, la santé, ça c'est des bagailles qui... L'éducation naturellement. Le transport. La question du transport, non mais c'est un minimum ça. C'est la question et paradoxal, c'est que la société nous n'y a assez de ressources, il faut que nous nous tibons encore, mais sans volonté d'organisation pour nous payer ça, trouver une solution, nous nous tibons ressources, mais ben, là, pas obligé de parfait, mais nous peut améliorer malgré tout, nous peut trouver des modalités, nous peut trouver... des bagailles à faire, avec les ressources que nous avons, nous pouvons quand même, avec un peu de volonté, faire, ben, là, ne serait-ce que diminuer les temps d'indisponibilité, mais ben, non, mais non grève, mais en tout cas, ne serait-ce que diminuer les temps d'indisponibilité des équipements de transport, quel que soit le motif, hein, c'est déjà un premier point. Là, vous avez, techniquement ou bien socialement, vous avez réduit ces chantiers-là, même si ben, la papa a fait, mais en tout cas, nous avons gagné. Hein, en temps, nous avons une disponibilité. Donc, toutes ces bails-là aussi. Mais ça, c'est un bail pour nous faire, c'est la solidarité. Ouais. Pas longtemps, mais même vous, un petit message à ses camarades. Là. Salut les amis. Je veux dire qu'ils connaissent. Là, en groupe, on est capable de solidarité. Eh bien, c'est un mot qui malheureusement, qui est un petit disparaître. Hein, oui, puisque... Il disparaît si depuis. Si nous parlons de l'individualisme, c'est vrai que la question de la solidarité disparaît. Qui a disparaît. Et mais la solidarité ne doit pas être un acte, je dirais, c'est un acte individuel, mais il ne doit pas être un acte bénévole. Ça veut dire, bien sûr, nous pouvons faire un café et puis bon tchao. Oui. Ça, c'est parce que nous bénévoles, nous sommes des humains, nous pouvons faire belle et mais la solidarité aussi peut être professionnelle. C'est-à-dire, l'un professionnel ou en difficulté, il peut dire, bon, mais chez moi, par rapport à ça, mon café là, je peux faire un plus, ou même faire un bail différemment, je peux faire alerter, je peux faire un bagaille, je peux hériter, par exemple, bon, la route là, pour un grand monde qui est en difficulté, par exemple, des bagailles professionnellement, aussi la solidarité. Pour s'exercer, on n'est pas une solidarité simplement bénévole, non, la solidarité professionnelle, la solidarité des acteurs professionnels aussi peuvent s'exercer. Les bouglants, les la route là, c'est pour la tête à respecter le monde. Solidarité, c'est que ben, sans professionnel, eh ben, ma pareil fait n'importe quoi. Et puis l'autoroute, mais il y a un engagement professionnel, et puis je vais respecter ces piétons, par exemple. Et si je suis en urgence téléphonée, je vais organiser moi, je vais arrêter moi. Hein? Aux gens, dans une forme de solidarité, de respect. Donc, faut que la solidarité, ce n'est pas seulement un acte de bénévole. C'est un acte de professionnel aussi. Oui, en tout cas, pour un cas professionnel, on croit que sa solidarité, moi, c'est une responsabilité d'ouvrir oui, son ça. Café. Hein, t'as dit. Non, mais oui. Solidarité, moi, c'est se mettre. Parce que nous, dans la situation, tout le monde a beaucoup à présent, que, bon, il y a un grand monde qui a retrouvé qu'il y a tout seul. Il y a une idée, 3, 4, 10, 6 mois, hein. Il y a un petit peu tout partout dans le monde, il y a tout seul. Voisins, voisines, donc solidarité. C'est-à-dire que vous savez que nous n'en pas là, nous n'en tout seul. Il faut que nous y vivions organiser comme nous. De temps en temps, ou quand on quitte le corps du monde, en tout cas. Il y a peu organisé comme
bien, nous avons fait des relais, nous avons work on nous, et bon, ça, peut-être dans les cités, nous avons des mauvaises habitudes, quoi, était 20 ans, 40 ans, puis un monde, la porte à côté, peut-être parfois bonjour, bonsoir, c'est déjà pas mal, parfois pas même ça qui m'a arrêté, la solidarité qu'a fait, il y a la fête des, de la, comment, la fête des voisins, c'est des occasions de faire connaissance, c'est toujours dur. Plus proche par an, c'est voisin. C'est pas arrivé. Ou c'est Jean-Gorivien, ou quand il était en ville, il ne faut pas chercher Jean-Gorivien. Oui, oui, Jean-Gorivien, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de premier coup de main. Pour le premier coup de main, c'est mon équipe plus proche ou qui est bon. Donc c'est des valets que nous avons appris à nous, que nous-mêmes nous avons appliqués. Donc la solidarité, je pense qu'il y a dans s'installer en pile. Moi, je pense qu'il y a puis non, ça nous a dit là. Mais il ne faut pas la solidarité, c'est en effet photo pour vous tout Facebook. Et puis n'importe quel, dans n'importe quelle condition. En fait, je n'ai pas eu ça pour dire. Parce que je ne peux pas arriver à comprendre que même si nous ne pouvons pas, parce que ça dépend du problème là, ça dépend de la gravité du problème là. Enfin, nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons quand même, au lieu de passer le temps, nous faire photo l'autre là. Quand tu es l'autre là, peut-être que ça t'est mieux que nous ne pas passer le temps, nous, qu'à appeler la police, qu'à appeler. Qu'à crier, qu'à alerter, qu'à faire un bagage. Qu'à faire un bagage, qu'à demander secours, qu'à faire un bagage. Nous, mais faut me dire ça simplement, il faut arrêter ça fait de ou quoi filmer ou quoi filmer qui sont quoi filmer ce coup ou quoi filmer. Et bien intervention moi c'était par rapport à ça en bail comme ça mettez sur dans le groupe meilleur mettez femme répondre en thème là exactement ce qu'a dit, c'est même bail là mais vite bon matin hein. Ou quoi filmer qui ça puisque au fait nous c'est des humains et puis mes sentiments nous et puis moi pas ça moi ou quoi filmer en tuerie, enfin. Un événement dramatique. Et pourquoi vous voyez ça? Et puis, où déjà, je m'a dit que l'autre a fait ça, qui est relou? Parce que je m'a dit qu'on n'a pas ni maman, ni papa, ni soeur, ni frère, ni personne. Parce que soutenir, minute qu'on a parlé de l'amour, soutenir un petit bruit amour, tu te dis, mais si vous voyez ça dans les réseaux, et puis maman, peut-être que maman Mouna a découvert ça. Papa a découvert ça. Enfin, famille a découvert ça. Ou bien n'importe qui laisse. Parce que ça n'a pas en lumière, ça n'a pas en agrément, un bagage de joie. Mais je vais arrêter aux parents. Parents, maman, ti Mouna, papa. Ils sont assis, ou bien ils sont au travail. Et puis, mes collègues là qui sont venus, c'est ça qui passait. Toto, regardez ça, mon carré là, mais c'est Yeshua qui là. Qui m'a dit, nous, qui. Je m'a dit, je pas perdu ça. C'est un manque d'amour. Et je m'a dit que c'est pour ça que 2024, il mettait dans chez nous de l'amour. Pour nous savoir que ça qui est arrivé à. Périvé B, périvé C, périvé Z. Nous ne savons pas rien dans la vie. Absolument. Parce que la vie, c'est la grande inconnue. Voilà. Ou pas savoir rien. Donc, ce manque d'amour. Parce que nous parlons d'humanité tout à l'heure, nous avons perdu l'humanité. Nous sommes en téléphone, nous avons cherché à faire le buzz. Le buzz, mais oui. Nous avons cherché à porter l'autre là sous coup parce qu'on est en chair, que si ça t'est arrivé, tu es bien en vie quand on porte sous coup. Non, quoi, regardez, pas penser, quoi ou... qu'a dit, ou qu'a dit que ou qu'il fait la vedette, ou qu'il fait la star, parce que c'est vous qui fait le buzz, c'est vous qui a l'origine, première photo que vous balancez. Et puis, qui photo? Photo qui ça? Non, mais je peux concevoir que vous pouvez faire, en termes de, je dirais, de police, en termes judiciaires, ou pouvez faire un événement grave, ou pouvez filmer, ou bien vous photographier, mais moi, ça va venir en élément de preuve, en témoignage que vous qui avez fait. Et puis, vous allez diffuser, vous allez confier à les personnes. Voilà la loi. Voilà. Vous intéresser, vous allez confier. Vous allez faire ça après que vous avez fait ça. Voilà. Après que vous ne pouvez pas faire rien d'autre. Voilà. Voilà. Tout le monde va voir là où il y a le témoignage de souvenirs. Là, mais d'accord, mais en montant là, ou qu'à réserver ça à moun. Bah mon nom qui est destiné là à ça ou faire ou pas à balancer en réseau le pour tout le monde entier parce que je dis je le mets dans le réseau hein, c'est le monde entier là ouais hein à rien bah ça ou faire on dit là Paris on va faire là 30 secondes ils arrivent à Paris hein
Vous soumettez dans le réseau. En 30 secondes, il est à Paris. Oui, mais. Donc, tout le monde Martinique qui est dans Paris, qui est dans le réseau. Vous mettez Martinique qui est mis dans le réseau. Dans la seconde qui suit, ils sont dans le monde. Oui, mais, donc, mais d'accord, ils sont dans le monde. Ça déjà grave. Oui, ça c'est déjà rien. Grave. Parce que ça a dit qui ça? Est-ce que c'est un bonheur ou bon? Qui satisfaction russes là ou parisiens hein, ou moi savent moi où est ça qui oui c'est ça qui intérêt ni à qui intérêt ni à ouais ça d'une part mais ma carré dit qui intérêt ou ni à faire ça parce que et le plus souvent parce que peut-être moi des sentiments peut-être moi pas savent mais les parents mon non. Les parents, parce que les parents pas là. Ou les personnes concernées. Les personnes concernées. Ça peut être l'auteur ou la victime. Voilà. Les personnes concernées. Voilà. Ah. Moi, ça vous n'est grand bruit. Moi, c'est petit, mon nom. Moi, j'ai un maman, papa, les personnes concernées, les plus proches, c'est maman et puis papa. Et puis, yo là, tranquille, yo a fait ses affaires. Yo. Et des fois, yo n'y a un certain âge. Oui. Mm-hmm. Hein? Il est là tranquille, il a fait petit bail. Au fait, des fois, il a attendu un petit chaud. Et puis, il a. Mais c'est ça qu'il a résolu. Donc, que 2024, mettez petit brin, l'amour, je vais dire ça à Danchène. Petit brin jugeote. Voilà. Voilà. Et puis, en l'amour. Comme tu as dit tout à l'heure, petit brin réflexion. Mm-hmm. Ben respect. Tu bon respect. Respect la vie. Voilà. Ça, c'est un bagage que nous avons fait dans pile. Voilà. Respect la vie, mon cas tout le monde, jeune cas. Ça, c'est la le côté de la violence. La violence qui a venu installer l'école. Alors, il faut que nous gardions les moyens, nous avons dit que c'était maman et nous. Moi, on vit poser une question provocateur. Est-ce que nous aimons cette maman et nous? Nous avons dit que nous aimons. Est-ce que seulement les gentils, les sages, les gens qui sont dans le sens nous aimons, entre guillemets? Les gens là, ils ont verre cassé, parfois ils regardent des gens qui font des qualités cinéma, un verre qui cassé, enfin je dis cinéma parce que l'on calme quoi, on ne sait pas, ils vont mettre ces verres qui cassé parce que c'est là-bas ou dans l'auto, on ne sait pas. On va apprendre, dédramatiser, relativiser, bref, l'eau, bref, vinaigre, on ne sait pas, mais calmer quoi nous. Et sur le coup, il y a un coup de sang qui a monté. Moi, quand dit ça, ça ne veut pas dire que mon papa c'est pas là aussi. Mais c'est après, on a réfléchi, on a dit, mais attends, ça n'a pas de sens. Parfois, et c'est pour ça, les jeunes qui ont dit, mais maman, laissez c'était moi, l'autre est menti, puis tout est crié, comme c'est Tichou, ou pas qu'a dit rien. Effectivement, on a grandi, on a pris sagesse, parce qu'on a pris recul par rapport à des petits bagailles. C'est des petits bagailles. Entièrement, mais fait un bagaille, fait une bêtise. Mais ça pas extraordinaire. On va calmer quoi, on va boire de l'eau quoi. Et après on va parler bâti maman là et on va parler bâti maman là n'importe comment, n'est-ce pas Josiane? Moi quand dit ça dans n'importe qui condition. Et puis n'importe côté. Et puis n'importe qui côté. On va faire une honte. Voilà. Et ça mieux en faire un pas. Mais nous pas qu'à réfléchir et puis ça après on va dire bon bâti bon et tiens mais là bon ça sensible, tiens mais là ça sensible, sensible à des bagailles. Et ça a peut des conséquences dans les confiances que maman a née en ça, il peut faire estime. Parce que tu as là pour ou un mec seulement les cafés bon bagage. Et ce n'est pas forti sentiment, ce n'est pas anti-adulte, c'est anti-maman. Donc il ne passe pas là, même manière, ou même ou passez pas là. Oui, non, ça. Ou dire un bagage important. Pas évident. Oui. Le tout petit, quand je me disais bien, maman, ça, c'est un miroir. Et puis maintenant, il y a un bille. Mais le passé bille dans l'air mort là, sauf qu'il y a. Et maintenant, mais brillant dans le cas. Il y a où connaître ça. Même passé bille là, mais oui, tout le miroir là, oui. Tout le miroir là, oui. Enfin, au thème, mais j'ai dit, mais maintenant, brillant, ça, on dit là. Oui, au thème, heureusement, bon, il n'y a pas un moment court, heureusement. Coute là, on va pas. Et là, si tu m'avais la crème, quoi, pour un tube. En tout cas, la capigée, tu voulais piquer, passer en l'air. Et là, il y a un miroir là. Et là, il y a un dessin. On l'a mis où là? On l'a tout mis où? Neuf ou à propre là. Ou fini, fait. Fais l'appétit. Ou bien, là, la porte, ces toilettes là. Ou bien, c'est la porte là, pas l'un de. Mais donc. Bon, c'est vrai, il faut passer par là, c'est pas grave. Ouais, on peut pas avancer les questions. Là, par exemple, tu as mis là, ou quand tu mets papier,
voilà. Pourquoi expliquer ça? Parce que l'orange est en crayon, mais mon crayon là qui est encore plus belle. L'orange est en crayon, ça. Mais l'orange est belle. Ah non, mais il est belle, mais ah non, ou quoi il encore continue, mais il a qu'à prendre un plaisir. Mais bien sûr, ouais, ouais, ben il a crié. Il a crié ça, il a crié. Que c'est pour Timama et là, c'est en construction du corps. Hein? Mais oui, attention, Timama et là qui a découvert, et qui a construit, quand il lit, il est content, puisque nous, les Timama et nous évoluons, nous les parler bien, nous les exprimer quand il est bien, et puis nous sommes contents qu'il a réussi l'examen. Et pourquoi bien un crayon? Et pourquoi bien un crayon? Et puis nous disons. Et puis nous parlons écrit, et puis nous parlons écrit. Et puis nous parlons dessine. Mais c'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution. Apprendre qui m'en est, apprendre l'évolution psychologique de l'enfant. Ou quoi aller dans une des groupes, dans l'école là, on peut rencontrer psychologue, on peut rencontrer monde qui a expliqué pour qui y aller en les murs là. Qui ça y aller faire là, qui ça a rapporté, et puis qui m'en est où. Ou pour organiser quoi. Quoi. Mais oui. Voilà. Et peut-être avant, parce qu'on sait qu'il fait ça. On va faire un musée, là. Parce qu'on sait qu'il fait ça. Donc depuis avant, vous avez... Il a proposé, on va faire un musée. On va faire un musée, Bigaïla. Mais on va ça. Mais oui. Non, mais depuis avant, vous avez dit... Depuis vous avez commencé... Quoi pour venir bagaille là? Vous avez pour venir. Quoi chercher Scott? Quoi vous avez chercher son ça? Quoi chercher Scott? Quoi chercher son grand feuille papier quoi? Gros, voilà pour mettre on l'a mis au point pour puis pas venir faire petit dessin. Parce si il pas fait ça. Non, mais, tout non, ça pour dit tout mais, ça pour dit qu'elle l'a moins nous capable de. Mais si préférer sensation écrit dans les murs là. Mais si préférer sensation dans les murs là comme mettre Bria. Il a tiré pas bien quand même. Oui mais déchirer pas bien. Il a écrit dans les murs là quand même parce qu'il préférait écrit dans les murs là. Oui mais là on peut discuter, on peut parler, on peut faire. Mais moi ça moi nous c'est des mais c'est pas discuter là. Pas discuter là. Pas ni discuter là. C'est vrai que nous quand dit ça manière détendue etc. Mais là dans cas là bon c'est vrai que sur le coup ou quand même nous avons dit bon vaut mieux prévenir et puis pas chercher mais là puisque nous aimons ou pas fait pour quoi ou pas fait pour tuer ou fait pour que après dans la société il porte bataille donc ça apprend et puis dit quoi que bon ben voilà ça qui a fait partie de l'éducation et de construction de l'éducation tu vois mais là qui a grandi donc qui a découvert qui a fait des bails et puis comme nous disons moi numérique je dis je l'ai surpris un gars fait un bêtise qu'on sort quoi filmer et pourquoi il montre ça les types qui ont dit ouais mais qu'on sort des cafés mais c'est sorti des cafés il y a l'ordre de la tu te reconnais je me souviens pas c'est pas moi les monnaies. C'est mon adolescence qui a essayé de faire grand monde. Et ça dépend parce que Nicky a dit ah oui, mais j'étais petit. Voilà. C'est quand j'étais petit. Oui, bon. Ouais. Ça veut dire que y a ça, je comprends. Ça veut dire que je ne ferai plus ça. Oui, je ne ferai plus ça. Mais ça veut dire qu'après, encore on est en l'autre là, j'ai mis d'autres bagailles qu'on a fait, qu'il faut que moi explique, qu'il ne faut pas si, ça voilà. Pas si bien que ça. Il faut qu'on ait là. Tout d'un et puis communiquer. Parce que. Là, nous avons parlé, petit maman et nous avons communiqué, et puis nous avons trouvé, pas tous les matins, mais de temps en temps, nous là ensemble, nous avons fait des bagailles ensemble, nous avons parlé ensemble pour que ce petit maman et là savent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. C'est peut-être compliqué, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puisque c'est ça l'évolution psychologique de l'enfant. Mais il y a nos bagages, les petits mamans à présent, parce que nous avons fait deux petits mamans, trois petits mamans maximum, etc. Alors qu'avant, c'était ni quatre, cinq, six petits mamans. Entre eux, ils étaient qu'à apprendre des bagages, quoi partager. Oui. Les mamans acheter un paquet de biscuits, c'est pour tout le monde. Alors à présent, comme on dit seulement deux petits mamans, quoi acheter deux paquets de biscuits. Alors qu'on peut acheter yon et puis apprendre à partager. Donc, comme vous parlez de l'eau, quoi acheter. Et donc, ça paye au pète dans un certain nombre de valets, comme on était capable de tout à l'heure, valets du partage. Comment ça tellement qu'a fait plaisir, donc à Bamoun. J'en ai un seul et je le coupe en deux. Frustration, je dis, c'est où qui risouvre, c'est où qui va partager demain, c'est l'autre là qui risouvre. Apprendre à gérer. Ou c'est mon sort, c'est mon moyen, je vais m'en souvenir. Ah ouais, et par ajout, il y a un porté qui a dit ça tout long, les affaires, apprendre à gérer frustration et apprendre à dire non. Parce que bon, à mon moment là, c'est pas tout de suite.
Et ça, on y est, c'est ou qu'a partagé, ou qu'a fait, et puis l'autre là, et c'est parce qu'on est maître, mais là, qu'on a dit non, mais on y a manière de dire non, oui. Puisque c'est pas tout non qui va, qui bien dit. En parlant de Charles, mais Charles, on va dire non, mais pas les pipes, pas ni longtemps, en tout cas, tu, oui, ça a été bien. Bon, ben, Charles, tu es bien, bonne année, nous, nous, en tout cas, tu es bien. Bel beau, bon, Charles, c'est à cause de aussi, moi, là, encore, je dis, ah, mais je ne t'en voilà, veux pas, voilà. Charles, pas ni problème, mais il y aura la relève, t'inquiète. Mais oui, oui, là, nous sommes arrivés déjà au nom, le nom à la de frustration. Ouais. Et ça fait partie de l'évolution psychologique aussi. Mm-hmm. Parce que tu ne pourras pas tout avoir en même temps, au même moment. C'est ça. Tu dois attendre. Avoir la patience, ça qui n'est pas évident. Attendre. Mais il est, nous revenons un petit peu de ce que vous avez dit, là, au parentage. Quand tu es en maternelle, c'est formidable. Tu regardes les enfants. Mmh. Ils sont là, ensemble, là. Eh bien, celui-là donne à l'autre un petit morceau de biscuit. Ouais, un petit zizine. Un petit... Alors, il y a certains qui donnent pas. Ou bien d'autres qui rappellent les mélodies. Oui, aussi, voilà. Il y a de tout, hein. Voilà, il y a de tout. Alors, tu es là, tu observes, tu ne vas pas intervenir tous les jours, empêcher aux enfants de vivre, d'évoluer, etc. Mais tu as des moments où dans la classe, où tu, à la récréation, on les laisse tranquilles. Mais tu as des moments, parce que tu les observes dans la classe, où tu vas discuter avec, hein, pour parler de solidarité, pour parler de convivialité, pour parler de partage, tout ça. Ouais. Mais ils sont là, ou bien tu vois celui-là, il casse son petit truc, et puis il lui dit, non, non, non. Il n'est pas capable. Il décide de ne pas embêter. Parce qu'il dit qu'il n'est pas capable. Tu vois, donc les enfants aussi nous apprennent à vivre, nous apprennent à fonctionner, nous apprennent les valeurs de la vie. Et pour revenir à toi, tu parlais du nom. Le nom, c'est important. Par exemple, tu as des parents, comme si l'enfant n'a pas le droit de leur dire non. Mais il n'a pas envie de dire bonjour. Pour tu l'obliger, il dit bonjour. Mais il n'a pas dit bonjour, non. C'est normal. Et c'est à toi, au fur et à mesure, de l'amener à changer d'avis. À changer d'avis. L'importance de dire bonjour, c'est ça. Oui, c'est tout. Tu changes d'avis, tu l'amènes à faire ça. Mais il a le droit de dire non. Il peut aller, mais il n'a pas envie. Alors, tu as des parents, y compris moi aussi, à un moment de ma vie. Comment ça? C'est une bonne personne, hein. C'est ta tati, c'est tonton, etc. Tu lui dis bonjour, je t'oublie, tu lui dis bonjour. Mais non, il ne doit pas travailler. Alors, wap, wap, tu dis bonjour, non. Et plus qu'il faut aussi, plus qu'il y a Raïmounda. Enfin, Raï, moi aussi qui ai envie de dire bonjour. Moi aussi qui ai envie de dire bonjour. Ah. Et même s'il dit bonjour parce qu'il soumet à où, il y a un moment donné, il peut dire bonjour. Là, il commence à grandir, il commence à comprendre. Non, je... J'ai pas envie de te dire. Les adolescents qui sont écrasés, les doux, j'ai pas envie de dire. Ouais. Mais je ne dis pas. C'est doux ça. Si on y a là, si on change. Mais là, normalement, là, les adolescents, normalement, recta, là, les acquis, hein, elle acquis. Là, sinon, c'est délibéré, ça veut dire que si pas dit bonjour, il y a d'autres problématiques qu'il a. Mais il n'y doit, il faut envie de dire bonjour. Oui, oui, alors c'est ça, il faut que nous apprenions ça, nous faire, puis les envies de cette moment-là. Voilà. Donc, nous sommes en manière, c'est pour ça que je dis, tout dans la vie, c'est dans la communication, dans le respect de soi, le respect de l'autre et le. Les valeurs que nous donnons à nos enfants gentiment. Ce n'est pas la peine de crier, ni taper, ni jouer, ça ne sert à rien du tout. Tout dans la communication. C'est peut-être compliqué. C'est compliqué parce que nos parents nous disaient toujours c'est moi qui grand monde, c'est où ou qu'à exécuter. Non. Oui, mais ça m'a bien dit.
c'est l'occasion d'éduquer ton maman ou l'occasion d'éduquer considéré ou l'occasion d'éduquer yich voisin ou bien yich grand soeur ou bien yich comme un pile etc. C'est-à-dire que l'occasion d'apprendre éduquer et puis respect parce que sans pas t'éduquer yich voisin comme c'est yich ou donc c'est ta ou qu'a fait ça ou l'est qu'on l'est autant l'est donc on y a quoi bah qu'on liberté qui a fait qu'on a manqué tiens mais la respect etc etc et qui a fait que ça peigne des conséquences en l'air les relations qu'on a développé et puis donc on nous élevé yich nous considéré c'était yich voisin nous et puis voilà hein, ça a calmé quoi si pour calmer quoi et puis on apprend ni l'essentiel les bagages qui importent et puis si vous pouvez fâcher ou qu'a fâché en l'école pour des bagages qui vaut le coup de fâcher mais pas pour des petits bagages et puis si vous fâchez au lieu des problèmes beaucoup de fâcher donc beaucoup apprendre gérer ou même frustration et puis pour apprendre mais là que ça a existé mais que il n'y a manière pour faire ce qu'on dit la notion de cohérence c'est important parce que là, dans l'éducation par exemple on y a des parents qui effectivement ni en mode d'éducation et puis Yishio, et puis petit cousin en Gavini, tous les anciens panier, tous les anciens panier, et puis Yishli, il a accordé petit cousin, petit grand-mère là, petit voisin, ben ça totalement, ça destructeur ça. Là, tiens, mais elle a pas une pièce confiance en vous, ça n'a pas de logique, tiens, mais elle a pas qu'à quoi en roi, hein. Quand il a bon, c'est où conseil, et puis moi, c'est où être conseil, et puis moi, et pourquoi il te fait ça, il est? Et bien là, il pas dit, il a fait même ça, ou qu'il te fait là, il a testé, ouais, il a regardé, bon, ben. Un tel te fait ça, mais je fais même belle, encore ce qu'on fait, puis moi. Voilà. Donc, ça, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Il faut être. Non, même si c'est ça, la cohérence. C'est-à-dire, même manière, on va faire des choix, effectivement, on va faire des pilotes là. Ça veut dire que si ce qu'on fait des pilotes là, on ne peut pas faire. Ce qu'on peut faire des choix, on ne peut pas faire des pilotes là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire des pilotes là. On va y aller directement. C'est la notion de possession. Voilà. C'est immérité. C'est pour ça que je vais parler de est-ce qu'on aime échouer, effectivement. Parce que on aime échouer, mais on ne peut pas mettre à côté un tout le respect, là, l'esprit de sagesse, là, l'esprit de la paix. Tolérance, là, des fois. Tolérance, là, bah, limite, là, mais toujours dans le respect de la vie qu'on bâille là. Quoi. Des bagages tout à fait. Que nous faisons attention. C'est bien que nous disons ça avec un pile recul, parce qu'on ben a, nous, ouais, nous, on a plus certaines de petits. Oui, on est plus chez les petits. Oui, c'est pour ça qu'on a dit qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on mettait de l'eau en divin. En divin. Qu'on mettait de l'eau en divin. Voilà. Sortez qu'à faire à 20 ans, à l'âge de 20 ans, quand même, on peut faire à 50 ou à 60. Voilà. C'est bon, ni. Ni des irréductibles, hein? Qui ont ni 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ou 80 ans. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Parce qu'ils n'ont pas web le petit pour changer. Yo, voilà. Et ça, nous avons dit pour les parents, ça va là aussi pour les enseignants. Parce que moi, quand on me rend compte de ça, nous peut faire en tant qu'enseignant de bien et anti-mamaï, et ça nous peut faire aussi qui peut faire l'eau, mettre devant l'eau difficulté, ou pas quand on compte ça. Parce que bon, on y a une série de anti-mamaï devant, qui a arrivé plus difficulté, nous savons les problèmes qui peignent, les problèmes intrafamiliaux, nous parlons en pile, ça a révélé en pile, les questions d'inceste, les questions de viol, on dit d'enfamille ou bien à l'extérieur, en tout cas, les problèmes que les anti-mamaï ont. Et parfois, en tant qu'enseignant, il faut que nous rendions compte de. Il faut que nous fassions attention en pile en l'air, Timamela. Fais attention en pile à Timamela qui est en face de nous. C'est-à-dire que nous, les fonctionner, qu'on considérer ça, ça va de soi. Timamela qui arrive de bonne humeur, de belle humeur. Nous-mêmes, nous qui arrivons, nous, ni problème, nous quoi passer ça. Les Timamela, les parents aussi. C'est-à-dire que faut que nous rendions compte de rôle que nous n'y qu'à jouer. Bon, et là, moi, quand j'ai rencontré des anciens élèves, et puis nous qui arrêtons, nous qui parler. C'est-à-dire que des bains ou même, vous n'avez pas porter attention à ça. Et tiens, la cadeau, oui, madame, vous avez fait attention, parfois pas même sans poutier, mais ou tiens, elle est dans une situation ou rapprochée, quoi, tiens, elle est persuadée que ou vini boy parce que ou senti qu'elle est en bagaille. Et peut-être avec le. Peut-être sous le coup, ou senti en bagaille. Non, mais ou sent, ça, voilà, vous pas qu'à changer, mais c'est pas qu'à changer. Mais sous le coup, effectivement, ou. Peut-être sous le coup. Ou tu as évalué la situation. Ah, et il y a le bail, il fait me réfléchir aussi, c'est à la question de l'orientation des enfants. Bon, peut-être une idée l'erreur. Alors, une idée, tiens, mec, apprendre bien l'école. Pourquoi vous l'avez absolument en seconde générale? Tiens, mais la cadeau, je veux faire tel métier et pas vous aller en seconde générale, c'est un lycée professionnel. Il est allé. Ou quoi, goumé, petit maman, là, c'est un lycée professionnel. Et pareil, goumé, c'est un lycée professionnel. Il est allé. Pour vous, qu'a fait un bagage qui est bon?
Mais après, tu mets là, puis pour parfois, pour obéir par un, il a fait le lycée, pour, il a fait le lycée général, et puis après, il a viré, les bails là, parfois, il perd dans l'autre temps aussi. Donc, il faut que nous apprenions à relativiser tellement de bagailles, parce que nous sommes des êtres humains. Non, mais c'est, ça, bah, du côté de l'école, effectivement, je dis tellement de possibilités, à part certains métiers quand même, qu'il faut donner un cursus particulier. Le dernier métier de l'école qui existe, c'est peut-être la médecine. Là où on est obligé d'entrer dans un chemin particulier, sur les faits, il faut aussi voir ça. Mais tout le reste en métier, toutes les possibilités, quelle que soit la voie, je dis, tiens, il a qu'à emprunter, il peut arriver les faits. Il peut faire une voie professionnelle, il peut faire une voie générale, une voie technologique. Si c'est ça, il est fait, il peut toujours trouver, à un moment donné, la possibilité qu'il est fait. Donc, si jamais l'année envoie, il choisit, envoie, et puis tromper quoi, et puis dit voilà. Que c'est ça, mais il est fait. Et puis les cas, effectivement, en train d'émitier, quand il a entendu compte que bon, c'est pas exactement ça qu'il a dans la machine. Donc, les parents, pour être tolérants, pour dire bon, mais effectivement, tu vas changer d'orientation, tu vas pas continuer, tu vas finir l'année, tu vas bon, pas mettre des modalités, ou organiser ensuite de l'aide. Mais il faut pas nous faire des blocages. Mm-hmm. Et puis aussi, à l'inverse aussi, il faut que ce système-là, permettre aussi, tiens, mais là, choisir l'orientation aînée. Donc, c'est les deux côtés. C'est-à-dire, permettre à l'enfant de choisir son orientation et puis que le parent ne soit pas, ni l'élève, braqué sur l'orientation, une orientation particulière. Mm-hmm. Il faut beaucoup de souplesse. Mais il y a des débats qui disparaissent dans l'éducation nationale avant. Il y a des psychologues qui interviennent au moment pour l'orientation, etc. C'est-à-dire qu'on fait des tests, par exemple, et puis tests là qui a montré que tu as des aptitudes. Parfois, tu as besoin que ou assurer par rapport à ça ou aimer, etc. Bon, vaut mieux passer par là, etc. Des psychologues qui interviennent, bon, ça, c'est des débats qui a passé à la trappe. Hein? Mais c'est bien que partout à là. Ça. Maintenant, c'est au fur et à mesure que vous avez des. Il faut y remettre ça en place. Oui, l'orientation. Oui, mais partout à un peu, jeudi jour, bah, c'est malheureusement, il y a une évolution, bah, c'est malheureux. Mm. Ça privatise, il y a une partie des cabinets qui a fait travail là, qui a coaché, qui a gardé ces gens là, qui a accompagné yo, on dit des psychologues qui spécialisent dans le domaine là, de manière privée, mais c'est une action. Et ça n'est pas normal, c'est-à-dire que voilà, si tu n'as pas l'argent, voilà, tu ne peux pas le faire. C'est ça. Voilà, c'est, alors on va favoriser ta qui n'a l'argent, qui c'est peut pas normal. Mettre, c'est pas normal, alors que c'était dans le public. Dans le public, voilà. Alors là, il faut faire un choix. Est-ce qu'on peut acheter un grand télé ou bien un gros portable, combien l'argent, ou bien est-ce qu'on peut payer en coach, bah, Yeshua. Et là, nous arrivons à bon, les contradictions. Bon, tu parles, il a quand même placé son paradoxe. Il l'a placé tout à l'heure. Il a quand même une histoire de paradoxe. Mais c'est une société qui, bon, pas qu'à la danse, tout le monde a deux vitesses. Il y a une deux vitesses. Alors, j'allais dire un truc. Que tu as oublié. Ça m'a échappé parce que je vous ai écouté. Continue, ça va revenir. Non, mais c'est vrai que ma part, combien de temps nous, sinon. Tu voulais proposer quelque chose parce que tu as apporté des. Oui, parce qu'il a déjà parlé de beaucoup de choses. Par exemple, tu n'as pas parlé de. Par exemple, il y a les haines. Ah là, parce que moi, j'attribue haine. Attends. J'attribue haine à violence, à harcèlement. Oui, mais encore plus haut à la guerre. Alors, tu préfères englober tout ça dans le mot guerre. Aujourd'hui, puisque la guerre, bon. Malheureusement, 2023, c'est la guerre, tout partout. Là, nous faisons marche arrière. Hein. Là, nous, c'est l'évolution de tenir, mais quoi, nous avons viré dans la barbarie. Hein. Oui. À grand pas. Hein. Ah oui, la guerre, tout partout. Oui, mais l'utilisation, tu as toujours tenu la djé. C'est-à-dire que nous sommes moins sensibles à la djé. Parce que les tenu la djé en Afrique, les tenu djé comme ça, nous peut-être pas qu'à, au moyen Moyen-Orient, nous pas qu'à machin. Nous pas qu'à. Ça n'a pas changé. Ça pas été en l'esprit de autant. Mais la djé a rapproché quoi, à présent les sols européens. Et bon, ben, ça n'a pas changé. Je compte que bon, la question des êtres humains, au lieu. C'est pourquoi tu parlais de ton histoire d'évoluer. Au lieu que nous apprenions à vivre ensemble, nous avons gommé pour qui ça? Et nous avons massacré, nous avons mis un peuple en disant, et puis nous avons vrai bombe, et puis tout le monde, et puis d'autres cas, nous parler, faire marche de soutien. Et nous, en démocratie, ni des bagailles qui impensables, qui nous mal, alors que nous avons parlé d'une société qui a évolué. Alors, est-il l'humanité qui a passé dans ça?
il y a des questions qu'on a posées, qu'on a développées, ou parler pour aller à la Lune, ou parler pour découvrir des textes ordinaires, ou parler pour atteindre l'immortalité. Et puis, on va trouver normal, c'est qu'on a organisé corps pour nous tuer. Et on a tué. Ou les faire l'argent dans oui. l'industrie des armes. Alors, on a goûté pour nous en bonne santé, mm-hmm. puisque tous chaque année, nous a dit bonne santé, je te souhaite une bonne santé. Mais c'est nous qui pendant nous a dit je te souhaite une bonne santé, yo. De l'autre côté, il a dit il a tué. Et puis, il a tué les gens qui sont en bonne santé. C'est ça qui est important. Ah non, mais pourquoi il tue les gens qui sont en bonne santé? D'accord, et puis, on n'est pas pour tuer personne. Il n'y a pas pour tuer personne. Non, c'est pas ça, moi je dis. Moi je dis que. Mais si, j'ai compris. J'ai compris. Pour nous en bonne santé, oui, oui. C'est le désert médical, pas ni médecin, pas ni ci, pas ni ça. Mon Dieu, nous pas. Pendant que nous avons dit ça, nous avons tué. Nous avons tué les gens qui sont en bonne santé. C'est ça? Voilà. C'est un paradoxe. Il y a quelque chose qui va des contradictions et des paradoxes. Hein. La question de la santé, là, bon, ben, regardez, la question de l'hôpital, la question de la santé, comment est-ce à ça gérer dans les, en France en particulier, dans les pays européens, comment est-ce à ça gérer? Bon, c'est vrai que nous, toujours connaître les hôpitaux ici, il y a l'hôpital qui a fait grève. Normalement, ce n'est pas même pas par solidarité, nous, t'es pour aller faire grève et puis nous, t'es pour aller aider, puisque c'est nous tous qui concernés par la question de la santé. Là, il n'y a pas assez de monde dans l'hôpital, c'est nous tous qui a pris. Enfin, dernièrement, j'étais qu'à parler de. Il y a renvoyé des gens quand il ouvre l'hôpital, et puis des fractures, il y a renvoyé des gens, et les professionnels de la santé qui ont plein de coyaux parce qu'ils ne paient pas. Interviennent et puis c'est mon nom qui garde ces moulins que le cas est vrai. Je peux pas garder ces moulins. Après l'offre, alors on est en opération. Je peux pas soigner. Il a voyé là même où tu détruis l'hôpital là, et puis l'opération finie dès le lendemain quand tu es avec les risques que cela comporte. Donc c'est moi dans cette situation, on parle d'évolution et tu te retrouves devant un système qui ne va pas dans le sens de peuple. Non mais madame, nous avons commis des erreurs, nous avons commis certaines erreurs. Là par exemple, il a dit l'hôpital en déficit. Faut pas, mon cas joué, dans les organismes sociaux, nous ne pouvons pas employer la terminologie de là. L'hôpital public pas peut être en déficit. Et puis c'est pas l'entreprise. C'est pas l'entreprise. Nous-mêmes, nous avons défendu que bah, là, en machin, nous avons dit qu'il y avait que sous-entendu, s'il y a un déficit, c'est qu'il est mal géré. C'est que nous qui a c'est pas nous qui a dit ça. Donc de manière automatique a dit ça, mais c'est justement faut nous le réfléchir. Ça me dit effectivement les affaires, ça permet de revenir en petite parenthèse dans les affaires, les réseaux sociaux. Comme regarder la technologie, mais bien dit qu'elle voulait, mais regarder la technologie. Quand je dis Mariam, pour que nous apprenions la terminologie, ah, mais bien, mais laisse sur les réseaux sociaux ou bien l'information, bah, nous vérifier avant de nous diffuser. Alors, pour vérifier, ce n'est pas compliqué. Même manière, vous pouvez faire une photo, bah, vous pouvez regarder dans Google, clic, vous pouvez avoir une vérification. Dans les 10 secondes, vous pouvez vérifier l'information vous voyez, bah, avant de voir l'autre monde. Donc, nous apprenons, par exemple, justement, pas bah, ni en réflexe de. Parce que. Je dis des fois ça paradoxal dans les réseaux sociaux, tout ça monde dit ou quoi répéter. Alors que dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Ce n'est pas parce que je dis mon bagaille, je dis à là, que, ou l'on dit mon bagaille, que je vais aller dehors, ou répéter bah, la population tout entière. On commence à dire là. Intégrité ou tout là en doute sûr. Mais quand même on y a un petit doute quand même on y a quoi faire une petite vérification par entière par en autre manière par l'observation par en répéter en bagage on y est en bagage on clique alors les réseaux sociaux c'est ça les réseaux sociaux oui souvent mais clic ou pas même ça si ça vous ou pas même ça si ça vous si ça pas vous donc l'esprit critique voilà donc il faut avoir l'esprit critique là nous avons des terminologies le monde a dit l'hôpital en déficit faut pas nous répéter ça sans bagage les journalistes Les
les journalistes sont les premiers, oui. Puisque c'est ouais. travail, c'est un gouvernement qui a fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'il y a bon l'argent, qu'il y a l'eau, puis l'argent, qui a débrouillé quoi. Ou qu'a fait ça, on n'y peut faire. Mais t'as là qui a géré, le gouvernement n'a pas jamais entendu dire que le gouvernement de l'hôpital en déficit. Ah, on peut y avoir un dépassement de budget. Non, mais attends, c'est justement. La terminologie elle-même n'était pas autant. Mais pas, on ne peut pas attendre ce bon gouvernement. Non, mais il y a un déficit. Donc, peut-être que le budget n'a pas adapté, le budget a dépassé. Mais il n'y a pas attendre. Ça avait été un bon budget. Mais non. Mais fondamentalement, il n'y a pas de déficit à compter, puisque. Sans bail public. L'armée est en déficit, l'éducation nationale est en déficit, la police est en déficit, la gendarmerie est en déficit. Donc, il y a des problèmes budgétaires, c'est-à-dire que le budget n'est pas adapté, mais fondamentalement, pas ni notion de, nous pas ni à prononcer le mot de déficit pour la santé. Donc, c'est des fois, là, nous avons dit ça, nous avons admettre, parce que ça, Camille, là, nous avons dit ça, nous avons admettre les. Nous ne pouvons pas répéter. Nous ne pouvons pas admettre. Donc, ça n'a pas qu'à exister. Ce n'est pas ça pour dire bah, nos budgets pour bah, là fonctionner bien. Parce voilà, mais comme vous savez que de toutes les façons, vous n'avez pas qu'à budget pour fonctionner bien. Donc, vous, gouvernement, vous n'avez pas qu'à dire que vous avez mis des gens en déficit. Mais dans les faits, vous avez mis des gens en déficit parce que vous avez mis des tâches pour faire. Il faut que vous soyez moins, il faut que vous soyez Josiane, il faut que vous soyez. Mais il y a 10 centimes dans le caisse. Comment est-ce que vous avez fait directeur. Mais là nous ne pouvons pas entrer dans ça. Parce que nous ne contrôlons pas cela. Nous ne savons pas comment l'argent est là. Donc, nous ne pas dire qu'il y a déficit. Mais c'est le bagage que vous pouvez constater. Là où allez, Josiane, nous ne pouvons pas recevoir. Nous ne pouvons pas recevoir. Alors, je n'ai pas envie de parler de ça. Attends, je vais vous dire ça. Je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Parce que si c'est pour moi dire. Alors, tu m'as dit. Je vais. Alors, on a quitté ça. Bah, les spécialistes là. On a quitté ça. Bah, les spécialistes là. Puis on allait contrôler ça qui a passé. Qui ça l'argent? Qui monnaie l'argent? Géré. Et puis, je vais quitter ça. Bah, en tout cas, on a constaté, il y a dit que des mounons ont été dit. Oui, mais nous a dit. Oui, mais nous a dit. Même manière, si c'est pour dire, nous a dit. Gardez, il y a un moment, tout le bon, nous avons viré, on va aller terre à terre, hein, tout en bas. Nous avons dit, la vie est chère. Ah oui, la vie est chère, tout le monde est cher. Nous n'avons pas arrivé à manger, pas arrivé à boire, c'est cher. Bon, ça c'est un tout petit bagage, nous avons dit. Nous avons été là pendant Noël et puis jour de l'an. Moi, quand on a des caddies qui plein champagne, même à Noël, jour de l'an, ça c'est problème. Yo. Noël, plein champagne, plein de foie gras, de ceci, de cela, patati patata. Alors, qui ça y a dit moi? Oui, mais les gens qui achètent ça peuvent le faire, etc., patati et patata. Moi, d'accord? Les gens peuvent le faire. Oui. Les gens peuvent le faire. Mm-hmm. Eh bien, on ne nous pas dit. Alors. Il n'y a ça qui peut faire. Donc, la vie n'a pas chère à tout le monde. Donc, la vie n'a pas chère à tout le monde. Mais nous savons ça, puisque nous sommes dans le système, et tout le monde n'a pas ni même niveau. Oui, mais est-ce que nous sommes obligés de boire champagne à Noël? Est-ce que nous sommes obligés de manger foie gras à Noël? Ça, c'est moins qu'à dire bagaille. Est-ce que nous sommes obligés de manger ça? Qui nous dit ça? Non, c'est moins qu'à parler. Oui, mais qui nous dit la vie n'a pas chère à tout le monde. Moi, d'accord. Il n'est pas cher, il n'est pas même bagaille pour tout le monde. Je comprends tout ça. Mm-hmm. Mais, je dis, il faut que nous aussi, les parents, apprennent nous gérer le budget. Il faut que nous aussi apprennent gérer le budget. Il faut que nous apprennent aussi économiser. Il faut que nous apprennent, il y a un lot de bagaille pour nous apprendre à faire. Parce que demain matin, si Dieu veut, que nous un tremblement de terre, oubliez pas ça, il y a un bagaille important qu'il nous. On ne sait pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Eh bien, il faut que nous, dit qu'on nous, eh bien, moi, manger pain et puis fromage, ou bien pain et puis beurre, c'est ça qui est né, moi, qui fonctionne comme ça. C'est dans ce sens-là, moi, qui parle. Donc, il faut que nous, dès à présent, apprendre à gérer la vie. Il faut que nous apprenions à fonctionner, puis ça nous nie, ça nous peut, ça qui la caille nous. Voilà. C'est ça, moi, je dis. Non, mais nous d'accord. Tout simplement. Tenir un moment et dit, nous t'es qu'à vivre et puis les moyens que nous tenions.
et nous t'ai trouvé normal, nous t'ai malheureux, nous t'ai trouvé normal, c'est ça nous ni, c'est ça les parents nous peuvent nous, yo ka banoui et nous ka gérer comme nous très bien, nous ka gérer frustration nous très bien. Et oui, va dans le système à présent et ti tout le monde les ni ça niveau de vie pas ka bayo. Et puis mon nom car il trouvait quoi et puis des sentiments de haine parfois de... voilà nous t'es capable de haine ça, voilà oui. Parce que nous pas ça de guerre de haine voilà parce que nous pour nous ça qui existait alors on parlait de foie gras on parlait de champagne ça qui existait donc il pas ni raison que t'as là ni l'argent passé moi il ni ça et puis que moi même mon père t'a dit que nous quand il va dans le système et tout bagaille là en l'aise devant zier tout le monde et tout le monde ni et nous quand vivre mal les frustrations mais question la biche là ça pas qu'à empêcher que ça qu'à exister t'as des monde qui pas qu'à toucher en pile l'argent des monde qui en chômage etc ou pas dit moi que payant même prix l'année t'as là par l'année pour passer les salaires pas augmenté la question la biche là qui existait c'est en réalité faut combattre d'une manière ou d'une autre nous peut pas mobiliser allant tout ça et nous peut pas non plus pas partager aussi si nous ni hein, nous peut pas partager et puis dit que mon nom t'es pour ni t'es pour manger quoi mais en tout cas faut que nous apprenne et ça faut que nous apprenne les genoux que y'on y valait les bagages que y'on y c'est-à-dire que là avant y'était capable à Noël en orange on était capable de ça normal et naturel après l'école là après nous a fait de bal nous cadeaux mais les parents participent pas mon cadeau et ben moi t'es content parce que nous t'es qu'à jouer nous t'es ni frère et sœur la Noël c'était jeu c'était des bagages nous t'es qu'à découvrir ben nous-mêmes sans frustration alors que là ça devient de plus en plus difficile pour ces gênants apprendre à gérer les difficultés tout le temps les ni toutes bagages là là même non c'est surtout rapidement non mais d'accord puis jeune mais maintenant mettre un petit bémol aussi parce que supposons que mon enfant fait économie on a toute l'année à pour faire qu'on ait un plaisir à descendre. Il peut acheter des bouteilles de champagne, il peut acheter un poêle. Autant que ça m'a dit. S'il fait économie, moi, si j'ai ça. Autant que ça m'a dit. Non, il n'est pas obligé, mais il peut payer. Autant que ça m'a dit. Il m'a dit, jour de l'an. Il peut payer luxe là. Non, il m'a parlé de Noël. Oui, jour de l'an. Il y a une fête familiale qui est entre nous dans la famille. On ne va pas parler de. D'un jour de l'an, et qui nous a fait ça. Oui, non, on mais dit c'est... à Noël, oui. Non, oui. Nous pas obligés, mais chaque fois qu'il y a la caille, nous pouvons manger. Mais si mon enfant dit économie, non, mais nous pas obligés, mais c'est un luxe. Mais si mon enfant a économisé, pour payer quoi luxe là, il peut payer quoi luxe là, tant mieux aller. C'est bien, mais il faut pas me demander moins prêter pour faire payer luxe là. Là, mais pas d'accord. Ça, c'est l'autre affaire. Parce donc, que nous pouvons arriver à demander à monde prêter l'argent pour nous faire anniversaire. Et maman, on arrive à un stade où c'est voilà, et ne voilà. Va pas. Mais, et puis, je pense que là, voilà, l'heure est arrivée. Mais nous répétons le point de débat. Mais terminé. Nous commandons bien qu'on paradoxe. Là, nous commandons la baisse des prix. Ça, pour moi, c'est un paradoxe. Hein. Là, commander la baisse des prix, ça veut dire qu'on demande de précariser le travail aussi. Le baisse des prix, c'est des manières. Soit vous précarisez le travail, vous exploitez le monde, ou bien soit vous abordez des produits de mauvaise qualité, vous empoisonnez. Donc, ce n'est pas la baisse des prix pour demander augmentation des salaires. Oui, faut que c'est ça pour nous demander. Là, encore pour moi, c'est un paradoxe. Hein. Plus nous demandons la baisse des prix, plus paradoxalement, nous approuvons ces mounes. Pour ça, vous nous demandez la hausse des salaires. Faut que nous n'ayons des salaires qui permettent d'acheter ça, que ça nous exactement, ça nous besoin. Voilà, et puis, faut tout que nous fassions de la différence entre ça nous envie ni, ça nous scellait ni, ça nous besoin pour nous faire le tri, pour nous savoir que nous acheter ça nous besoin. Alors, Jean-Michel a fait signe. Il a fait signe. Il est arrivé. Nous qui disons un bel petit bonsoir. Nous qui dit Josiane d'amour, un bel petit bonsoir. Un bel oui, petit moi qui a dit bonsoir. Et puis, Josiane d'amour qui a dit dis-moi plus amour. Et puis, réflexion. Réfléchis. Ouais. On nous réfléchit ouais. À sous la vie, à dans la vie, pendant la vie, pour savoir que ça nous peut, ça nous pas peut. Et faire une différence entre besoin et désir. Mm-hmm. Réfléchis en ça. Besoin et désir. Et le luxe. Beaucoup d'amour. Merci, Josiane. Au revoir, bah, Monsieur le Président. Alors je vais passer un petit mot rapide, hein, parce que chaque année, je vais faire un petit mot. Un petit poème, alors l'année dernière, il y a « Vive en paix ». Vive l'année en paix. Alors, de petits bouts de terre, la terre, pour de petits bouts de terre, la terre tout entière s'enflamme. De petits bras de mer, des océans entre les âmes qui parfois divaguent. C'est-à-dire, on canille. Des petites pensées, plus d'habits pour les grandes et pour les idées, mais des parements pour les sicaires qui nous narguent visant nos différences. Les sicaires, c'est le monde qui capote les couteaux, le monde qui est dangereux. En 2024,
faisons de cette petite chose quelque chose aussi grande que la paix. Que la paix, ouais. Voilà, la paix. Voilà. La paix. Tout simplement, l'autre bait négatif là, on nous fait un grand bail et puis que la paix. Ouais. Voilà paix. Mon petit mot de l'année. Merci de cette patience. Merci. L'amour qui apprend respect, solidarité, toute qualité, bon bagaille de toutes les façons. Donc, nous avons souhaité autres le bon bagaille pour l'année prochaine, enfin l'année là, l'année 2024. Nous avons dit merci pour tout et puis nous avons dit à bientôt. Bye bye.